festival de Yodel. Bonjour, Pixieville. Aujourd'hui, grand concours de Yodel. Waouh, le festival de Yodel, j'ai toujours rêvé d'y participer. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est ma faute. Je suis un peu enrhumée. Ce n'est pas qu'un petit rhume. Prends nos pastilles pour la gorge. Elles font des merveilles sur les cordes vocales des chanteurs. Merci, ce n'est qu'une petite extraction de voix. Je trouve ta voix bien plus puissante que d'habitude. Et tu n'as pas tout vu. Je peux même faire le ménage. N'oublie pas, une pastille à la fois. Les effets secondaires peuvent être imprévisibles. D'accord, j'en ferai bon usage. C'est parti pour le yodel. Chata pour Radio Pixie en direct du festival de Yodel, le plus grand événement musical de Pixieville. Yodel ain't no friend of mine. Yodel. Je suis en présence du célèbre et unique créateur, producteur et juré du festival de Yodel, Max Mercat. Max, comment s'annonce votre concours cette année? J'ai connu des yo-yos qui yodelaient mieux que ça. Je ne vois aucune star ici. Bonsoir, ça va? Max, je vous présente mon amie Thune. Elle est très très douée. J'espère que ma prestation vous plaira. Mon yodel commence avec un triple yo. Un conseil pour nos chanteurs? Non. Je déclare le festival de Yodel ouvert. Tous les participants sont en place et le festival est sur le point de commencer. Chip, 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 Yodelai. Il me faut une autre petite pastille. Incroyable, Bilou le putois n'a plus de voix. Merci, suivant. Nous, ça devient... Est un vrai désastre. Que comptez-vous faire? C'est le pire festival que Pixieville ait connu, je crois. Oui, que se passe-t-il? Ils ont perdu leur voix? Oh non! Ça ne peut être que la terrible grippe du silence. Voilà, ma jolie, c'était...
Le festival Yodel et Pixieville sont sans dessus-dessous. Que pouvons-nous faire, Chata? J'entends ma voix. Oh, je peux parler. Je suis immunisée. J'ai une idée, Fixie trouvera bien un remède contre cette grippe. Oh! Ça alors! On dirait que ça fonctionne! J'arrive à... Fixie, tu es notre seul espoir, toi seul peut... Ah! J'ai tout essayé, mais je ne trouve pas de remède. Oh, tu es sûre de toi, Fixit? J'étais malade tout à l'heure et je suis guérie à présent. J'étais au festival de Yodel. Que s'est-il passé? Oh! C'est complètement fou! Écoute-moi, Thune. Il faut que tu m'écoutes. J'ai réussi grâce à ma voix et à ses pastilles, mais bien sûr, tu es un génie, Fixit. Debout, réveillez-vous, allez, réveillez-vous, debout. Attention! Allez, debout, debout. Merci, mademoiselle, vous avez sauvé mes ouvriers. Mais je peux parler. Ma voix. Oh, ma voix, je suis guérie. Ah. Au travail, bande de feignants. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. Oh, merci mille fois, Thune, merci, merci. J'utilise mes pouvoirs pour guérir Pixieville de cette grippe du silence. Est-ce que tu veux m'aider? Oh oui. Pouvoir de la parole facile. Grâce au pouvoir de mon pop magique, j'entends le danger venir de très loin. Attends un peu, j'écoute. Oh non, Justin Nimble a des problèmes. Allons-y. Utilise ses pouvoirs pour défendre une juste cause, l'arbre de la vie lui donne un pop magique, une sphère magique qui a le pouvoir de transformer un pixie en popixie. Le pouvoir des cordes vocales. J'ai retrouvé ma voix. Ah,
Enfin un candidat sérieux. C'est grâce à Thune. Oh, fantastique, sublime, merveilleux, c'est divin. J'ai gagné, je suis si heureuse. Félicitations, tu méritais vraiment cette récompense. Tu as sauvé à la fois Pixieville et le festival. Oh. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je saurai rester modeste. Oh. Ah. Avec moi, dans un endroit magique où tu trouveras tant de jeux, tant de rires et tant de joie. Et où tout change à tout instant, c'est comme un grand manège. Car Pixie réalise tous tes vœux. Avec Pixie.